بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالإمام ابن القيم رحمه الله له كلام مفيد جدا في كتابه مدارج السالكين. قال رحمه الله في مدارج السالكين المجلد الأول، cette nusra page 542، قال فصل: وأما الاستغفار فهو نوعان. الاستغفار سي طلب الغفران، سي كما الاستعانة طلب العون، دونك سي لو فيت دو دوموندي الغفران. قال فهو نوعان: مفرد ومقرون بالتوبة، كما في الحديث كون علي اوجوردي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ويتوب. Quand on dit أستغفر الله وأتوب إليه. Donc dans beaucoup de preuves, beaucoup de textes, al-istighfar, le fait de demander pardon, c'est cité avec le repentir, avec le tawbah. Comme dans le hadith Abi Huraira et le hadith Al-Aghar, radiyallahu anhuma, qu'on vient de lire. Et ahyanan, il est cité seul, avec ce mot, al-istighfar, sans le tawbah. Qala rahimahullah, mufrad, mufrad donc c'est seul, et il est cité seul dans un texte, wa maqroun bit tawbah, et il est cité al-istighfar avec le tawbah. Qala fal mufrad, كقول نوح عليه السلام لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. Donc هنا dans ce verset on a l'istighfar فقط. التوبة n'est pas citée. Ibn Qayyim رحمه الله il veut montrer que l'istighfar quand il est cité seul il a le معنى, et quand il est cité avec التوبة il a un autre معنى. تقدم معنا هذا avec لفظ البر والتقوى avec الإسلام والإيمان et d'autres alphas, quand ils sont cités avec un autre lafd, كذلك الرحمن الرحيم, quand ils sont cités ensemble, chaque mot il a un sens, et quand un des deux mots il est cité seul, il englobe l'autre. فقوله استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا, هنا ça englobe التوبة. استغفروا ربكم أي وتوبوا إليه. C'est pas le fait de dire استغفروا الله فقط, لا, الاستغفار والتوبة avec les conditions. Le fait de délaisser le dhamm, de ne plus vouloir le refaire, il a akhir. Qala, nakhtasir, il a cité beaucoup de versets fi hada. Qala fal istighfar al mufrad ka tawba, bal huwa tawba bi'ayniha, ma'a tadammunihi talab al maghfira min Allah. Al istighfar, quand il est cité tout seul dans un texte, c'est al tawba, c'est le repentir. L'istighfar, quand il est cité seul, c'est le repentir. Et le repentir, quand il est cité seul, la chaque celui qui se repent, il demande pardon. يستغفر. Donc quand il est cité seul, il englobe l'autre. قال بل هو التوبة بعينها مع تضمنه طلب المغفرة من الله وهو محو الذنوب أو محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره. Ça c'est un تعريف طيب de الاستغفار. C'est quoi الاستغفار؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ويتوب في اليوم أكثر من 70 مرة. Dans l'autre lafd, من 100 مرة. Ça veut dire quoi? Ça veut dire أن tu demandes à Allah quand tu dis أستغفر الله. فتطلب من الله إزالة الذنب أو محو الذنب. أن الله سبحانه وتعالى efface ton péché. Tu as fait un péché qu'Allah سبحانه وتعالى efface. قال وإزالة أثره. كذلك les traces de ce péché. Les péchés, ils ont des traces. Ça va impliquer des choses. فكالله efface le péché. كذلك c'est آثار. قال ووقاية الشر كذلك الله سبحانه وتعالى te préserve contre le mal de ce péché. Enfin, tu as trois choses, c'est ça talabu al-maghfira. C'est ça le sens quand on dit astaghfirullah. قال ابن القيم لا كما ظنه بعض الناس انها الستر فان الله يستر على من يغفر ومن لا يغفر. فتأمل هنا قوة هذا الإمام. صحيح كثير من الناس يقولون ان الاستغفار ستر الذنب. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te cache ton péché. Lakin le fait que le péché soit caché, ça ne veut pas dire qu'il est pardonné. Mathalan, بعض المجرمين, بعض الكافرين, ils font des péchés, بينهم وبين الله, personne ne le sait. Est-ce qu'il est mastour? Il est mastour. Est-ce qu'Allah lui a pardonné? Abadan, c'est un kafir. Donc le fait que le péché soit caché, ça ne veut pas dire que l'insan ne rendra pas de compte يوم القيامة. فنحن, on ne demande pas que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dévoile pas nos péchés, فقط là, qu'il nous les pardonne. Et في الحقيقة, s'il nous les pardonne, c'est que nos péchés, ils ont été cachés.
Ça va ensemble. Faliyad Ibn al-Qayyim, il n'a pas cité al-satr. Il a cité al-mahu. Ou al-izala, et ça implique al-satr. Si Allah t'a pardonné, et tu as demandé pardon sincèrement, et ton péché il est effacé, famimbab awlana, ton péché il est caché. Walillahi alhamd. C'était entre toi et Allah, baynak wa bayn Allah, et Allah te l'a pardonné. Donc, هذا سأدق فلهذا قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله فإن الله يستر على من يغفر له ومن لا يغفر له ولكن الستر لازم مسماها أو جزءه صحيح أن سي الله سبحانه وتعالى te pardonne il t'efface ton péché فمن باب أولى أنه il t'a caché ton péché il ne t'a pas dévoilé قال رحمه الله فدلالته عليه إما بالتضمن إما باللزوم إما الستر ça rentre dans هذه المعاني اي لفت كالله سبحانه وتعالى يتفاس البشي الى اخره سيت لا يفاسي كذلك تلستر سا رونتر دون لو سون اما سمين باب لازم اي فو كي تلا يفاسي سا امبليك كو تون بيشي il n'a pas été dévoilé هذا سا كلام مفيد قال وحقيقتها اي الاستغفار كذلك كنت il est cité seul ça englobe التوبة وحقيقتها وقاية شر الذنب ومنه المغفر لما يقي الرأس من الأذى المغفرة أو الغفران ça vient de ce mot المغفر وتقدم معنا هذا أظن dans l'explication des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala on avait étudié اسم الغفور الغفار et on avait montré أن الغفران ça vient de المغفر المغفر c'est ce que le combattant il met sur sa tête pour le protéger à l'époque ils portaient des armures et ils avaient des casques jusqu'à aujourd'hui les militaires ils ont des casques pour se protéger leur tête la tête c'est l'endroit le plus sensible. فلهذا il a besoin d'une protection. فتأمل le lien que Ibn al-Qayyim va faire avec al-istighfar. قال رحمه الله ومن هو المغفر لما يقي الرأس من الأذى. C'est pour protéger la tête. قال والستر لازم لهذا المعنى. فتأمل أن c'est vrai que si tu protèges ta tête avec une chose, tu caches ta tête. أما tu peux cacher ta tête et ta tête elle n'est pas protégée. Ta'ammalou. Si tu protèges ta tête, tu vas avoir une chose sur ta tête qui va cacher cette partie. Amma, tu peux cacher ta tête avec une chose et ta tête elle n'est pas protégée. Mithl mada. Indaman. Naam, mithl sitar de la femme, mithl al-imama. Anta mathalan, tu peux porter une imama, ta tête elle est cachée. Bel, tu peux te couvrir tout le corps avec un drap. Est-ce que ça va te protéger des balles ou de autre chose? Abadan. Il y a une différence entre sutr et le wiqaya. C'est pour ça que le wiqaya c'est plus fort et ça englobe le sutr, le fait de cacher. قال رحمه الله وإلا فالعمامة لا تسمى مغفرا ولا القبع ونحوه مع ستره فلا بد في لفظ المغفر من الوقاية. C'est pour ça que le mot wiqaya il est plus précis. Aïe, une protection, ça te préserve. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui te préserve du mal de ce dhanb. Alors, on va faire la relation entre al-maghfira et al-wiqaya. Al-wiqaya, c'est se protéger. Maintenant, tu portes un casque. Même aujourd'hui, ceux qui font de la moto, ils portent un casque pour se protéger. S'ils font une chute, au moins l'endroit le plus sensible, c'est la tête, elle est protégée. Shay'an ma. Al-insan qui fait des dhunoub, les dhunoub, ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal au cœur et au corps. Enfin, celui qui demande al-maghfira, il dit astaghfirullah. Fa al-haqiqa, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le préserve du mal de ce qu'il a fait. Et kadhalik, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il efface ce péché. Et ça implique al-satr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui cache ce manquement, ce péché. Qala rahimahullah, wa hadha al-istighfar huwa alladhi yamna' al-adhab fi qawlihi wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Ça montre anna, c'est quoi qui les a préservés min al-adhab? Al-adab, ça fait du mal. C'est al-istighfar. Enfin, l'istighfar, c'est une wiqaya, c'est une protection contre le châtiment. Alors, nous, quand on fait l'istighfar, c'est on demande à Allah subhanahu wa ta'ala une protection contre le châtiment. L'imad al-yanna, la cause du châtiment, c'est le péché. Qala rahimahullah, fa inna Allah la yu'adhib mustaghfiran. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yukthir min al-istighfar. Celui qui fait beaucoup d'istighfar, il sera préservé du châtiment. لأن الله سبحانه وتعالى يشتتي pas ceux qui font الاستغفار. La preuve c'est ce dalil وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Tant qu'ils font الاستغفار, tant qu'ils demandent pardon, Allah سبحانه وتعالى il les châtiera pas. Et ça c'est une bouchra azima. النبي صلى الله عليه وسلم il le faisait
100 fois par jour. Anta, si tu le fais beaucoup de fois par jour, à chaque fois que tu le fais, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te châtiera pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne châtie pas celui ou ceux qui lui demandent pardon. Abadan. L'imad al l'analyse tirfar, bien sûr, avec les conditions qu'on a vues. L'analyse tirfar, ça englobe tawba, avec les conditions qu'on a vues, ça efface les péchés. Et si tu fais l'istighfar, Allah il t'efface tes péchés, pourquoi il te châtierait? Tu n'as pas de péché. Donc celui qui fait tous les jours, jusqu'à la fin de sa vie, bi'ibnillahi azza wa jalla, il mourra à la khayr. Lakin al-mas'ala, c'est at-tawfiq. Ne pas oublier, il y a des choses qui font oublier l'istighfar. Pourquoi nous, on n'arrive pas? Bel kathir, on n'arrive pas à faire l'istighfar 70 fois par jour, ou 100 fois, ou aqal, ou akthar. L'insan est d'achour, s'il est occupé par certaines choses, il oublie ça. Des choses qui sont obligatoires, un taqsir, ou des choses mustahab, comme adhkar au sabah, ou le masai, ad-dukhul, le manzil, ou le khuruj, avec le ghafla, on n'a pas le temps. Ahyana, on ne sait même pas, on n'a pas le temps, on n'y pense même pas. Surtout à notre époque, la journée elle passe très vite. Le fajr, la matinée elle passe très très vite. Thumma dhuhr, dès que dhuhr il passe, khalas, le maghrib il arrive. La journée elle est finie au maghrib. Tu commences la nuit. Ahyana au maghrib, is'al nafsak. Qu'est-ce que j'ai fait comme dhikr? Combien de fois j'ai dit astaghfirullah? Combien de fois j'ai fait tawbah? Et hasib nafsak. Tu n'as pas besoin d'en parler à un tel et un tel. Hasib nafsak. Il demande des comptes à ton nafs. Thumma, tu commences par le fajr. Est-ce que le fajr, bien sûr, je l'ai fait à l'heure. Après, est-ce que j'ai fait adhkar au sabah? Après, est-ce que j'ai fait salat al-duha? Est-ce que j'ai fait dhuhr? Est-ce que j'ai lu du Coran? Est-ce que j'ai fait le dhikr quand j'ai mangé? Quand j'ai fini de manger? Quand je suis rentré au masjid? Quand je suis rentré chez moi? Hasib nafsak à la fin. Si tu vois que tu as un taqsir, les manquements que tu as aujourd'hui, demain, tu te rattrapes. Et on a tous des manquements. Amma al-musib, un jour il passe, une semaine, un an, 10 ans, hatta yamout. Et yamout, wa'aduhum, iyadam billah. Sahifatuhum, et les registres sur lesquels al-amal ils sont inscrits, il n'y a aucun dhikr. Hal al-kuffar. Il n'y a rien. Jamais ils ont dit Allah. Hey, Allahu akbar, alhamdulillah, wa astaghfirullah, jamais. C'est pour ça que al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam akhbara anna as-sa'a sataqoum ala shirar al-khalq. La fin des temps, il n'y aura plus de croyants. Les croyants, ils mourront tous. Allah subhanahu wa ta'ala, il enverra un rih, un vent qui prendra l'âme de tous les croyants. Il restera que shirar ou l'khalq, que les pires des créatures. Hatta qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hatta la yaqul ahad Allah Allah. Et plus personne fera du dhikr. Hatta le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, bismillah avant de manger, tout ça il n'y aura plus. C'est quoi qui les a poussés à hada? C'est le kufr ou le ghafla, le ma'asi, les péchés, le fait de s'être éloigné, la mécréance. Qala ibn al-qayyim rahimahullah, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبْ مُسْتَغْفِرًا وَأَمَّا مَنْ أَصَرَّ عَلَى الذَّنْبِ وَطَلَبَ مِنَ اللَّهِ مَغْفِرَتَهُ فَهَذَا لَيْسَ بِاسْتِغْفَارٍ مُطْلَقٍ وَلِهَذَا لَا يَمْنَعُ الْعَذَابَ. Vous avez remarqué, on a, il a cité l'istighfar, c'est bien معنى التوبة, c'est le sens du repentir, لكن il dit avec sa langue et il continue le péché. Exactement le mithal que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité dans son charh qu'on a lu ensemble. Il y en a une chouroute à Tawba parmi les conditions, c'est de faire l'istighfar et de se repentir et d'arrêter de faire le péché. Amma astaghfirullah, astaghfirullah avec la langue et l'insan, il fait le péché, il n'a même pas l'intention d'arrêter, hada, ça ne sert à rien. Hada, il peut se faire châtier à tout moment. Al-yadam billah. Qala fa l'istighfar yatadhamman at-tawba, wa at-tawba tatadhamman al-istighfar. Ça va ensemble. Et quand un des deux il est cité, il englobe l'autre. Amma quand ils sont cités les deux, l'un, c'est ce qui nous intéresse akthar, il y en a dans le hadith. Nabi sallam, il a fait les deux. Kana yastaghfir wa yatub. Qala wa amma 'inda al-iqtiran aw 'inda iqtiran ihda al-lafdhayn bil-ukhra fal-istighfar talab wiqayat shar ma mada wa at-tawba ar-ruju' wa talab wiqayat shar ma yakhafu fil-mustaqbal min sayyi'ati a'mali. Quand ils sont cités les deux, al-istighfar c'est pour le passé. Et les péchés que tu as fait avant, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te pardonne et qui te préserve contre les maux de ces péchés. At-tawba, c'est pour le mustaqbal. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala yatoub alayk et qui te facilite de ne plus refaire ce péché dans le mustaqbal. Enfin, en citant les deux, fa al-haqiqa tu as un ma'na azim. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui te préserve de tout ce que tu as fait, ce que tu feras, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te facilite pour le futur, qu'il te pardonne tout ce qui est passé ila akhir. Qala ibn al-qayyim rahimahullah, fa ha huna dhanban. Dhanbun, tu as deux péchés là, ou deux catégories de péchés. Dhanbun qad mada, des péchés qui sont passés.
فالاستغفار منه طلب وقاية شره. Quand tu dis astaghfirullah, yarhamukullah, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui te préserve contre le mal de ce péché que tu as fait et qui ne te châtie pas pour ce péché que tu as fait à l'époque, mathalan. قال وذنب يخاف وقوعه. Et كذلك il y a un autre ذنب, tu as peur de le faire. Mathalan, tu as fait tawbah de telle chose, il a arrêté, ou tu avais l'habitude de faire ce péché, tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qui te pardonne, tu as arrêté, tu as peur de le refaire. فَهُنَا التَّوْبَةُ. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te préserve contre ce péché qui peut arriver. قَالَ فَالتَّوْبَةُ الْعَزْمُ عَلَىٰ أَنْ لَا يَفْعَلُهُ وَالرُّجُوعُ إِلَى اللَّهِ يَتَنَاوَلُ النَّوْعَيْنِ. التَّوْبَةُ donc c'est الْعَزْمُ عَلَىٰ أَنْ لَا يَفْعَلُهُ. Vous avez remarqué que c'est exactement le shart que l'imam Nawawi il a cité, rahimahullah. Min shurut at-tawbah, c'est que tu as l'azm de ne plus le refaire. Donc ça montre que c'est lié à ce qui viendra. قال والرجوع الى الله يتناول النوعين ورجوع اليه ليقيه شر ما مضى ورجوع اليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات اعماله. Et tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala pour les deux, pour le passé et pour le futur. C'est pour ça que at-tawbah seule elle englobe le passé et le futur. Elle englobe al-istighfar et bien sûr vu que cette tawbah c'est tawbah. Donc quand tu fais at-tawbah, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui te pardonne tes péchés passés, qui te préserve de ces péchés, de leur mal, et كذلك tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui te facilite pour l'avenir. قال وايضا فان المذنب بمنزله من ركب طريقا تؤديه او تؤديه الى هلاكه. Et on finit avec هذا المثال العظيم. Ibn al-Qayyim رحمه الله, il avait une قوة عجيبة في طرح الامثله. Et c'était des exemples pour te faciliter, après avoir cité ces définitions et ces différences entre At-Tawbah et l'Istighfar, il a conclu plutôt avec un exemple. قال فإن المذنب, celui qui fait des péchés, il est بمنزلة من ركب. Tu peux comparer celui qui fait des péchés à quelqu'un qui est sur une monture. قال من ركب طريقا تؤديه إلى هلاكه. Il prend le chemin, que ce soit sur une monture ou autre, il prend le chemin, un chemin qui l'emmène à sa perte. هكذا l'exemple de celui qui fait des péchés. C'est واحد qui marche, qui court, ou qui est sur une monture, et qui va dans une direction qui va l'emmener à sa perte. هذا c'est l'état de celui qui fait des péchés. قال ولا توصله إلى المقصود. Et ce chemin, il ne l'emmènera pas à un bien, أبدا. يرحمك الله. Ce chemin, il l'emmènera vers quelque chose de mauvais. قال فهو أي المذنب مأمور أن يوليها ظهره. Et cette personne qui se dirige vers ce mal, al-wajib alayhi, c'est une obligation pour lui de faire demi-tour. Vous allez voir le lien avec at-tawbah. N'oubliez pas cette personne qui avance, c'est celui qui fait des péchés. Hada, il ne doit pas aller dans un endroit qui lui fait du mal, il doit faire demi-tour. Qal wa yarji' ila at-tariq allati fiha najatu. Il doit revenir et chercher un chemin qui ne l'emmène pas à sa perte. Un chemin avec de la sécurité ila akhir. قال والتي توصله الى مقصوده وفيها فلاحه. Et il doit retrouver un chemin qui va l'emmener inshallah ta'ala vers quelque chose de bénéfique pour lui, vers le bonheur, la réussite. فها هنا امران لا بد منهما مفارقه الشيء والرجوع الى غيره. C'est exactement حال المذنب. مفارقه الشيء, c'est l'exemple de cet homme ou cette femme qui ont pris un chemin et ce chemin il les emmène à leur perte. فهؤلاء, ils sont obligés de délaisser ce chemin et de revenir. C'est exactement hal al-mudnib. S'il veut demander pardon, yastaghfir yatou, il est obligé de délaisser le péché et de revenir à la vérité. هذا مثال طيب. قال فخصت التوبه بالرجوع والاستغفار بالمفارقه. Quand ils sont cités les deux. Donc quand ils sont cités les deux, at-tawbah c'est rujou, al-istighfar c'est le fait d'arrêter, al-mufaraqa de délaisser. At-tawbah c'est revenir. Et كذلك la différence quand sont cités les deux, at-tawbah c'est pour l'avenir et al-istighfar c'est pour le passé. قال وعند افراد احدهما يتناول الامرين ولهذا جاء والله اعلم الامر بهما مرتبا بقوله استغفروا ربكم ثم توبوا اليه فان الرجوع الى الطريق الحق بعد مفارقه الباطل. هذه سن فائده طيبه. Dans le verset استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. Vous avez remarqué que l'istighfar c'est cité avant tawba. Et si tu vérifies le hadith, ربما l'istighfar avant tawba. قال عليه الصلاة والسلام إني لا أستغفر الله وأتوب إليه. Et dans l'autre hadith, يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه. Donc ça ne veut pas dire que à chaque fois ils seront dans cet ordre.
C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah qala wa li hadha ja wallahu a'lam. Et parmi les explications pourquoi ahyanan de temps en temps at-tawba est citée avant l'istighfar, et nous avons استفدنا avec les hadith anna c'est pas forcément dans cet ordre, mais quand c'est dans cet ordre, on استفيد ان الاستغفار c'est avant التوبه. لماذا؟ لان الرجوع الى الطريق الحق بعد مفارقه الباطل. اي avant de revenir au haq, tu dois déjà délaisser le batil. Délaisser le batil, c'est quoi? C'est l'istighfar. Donc ça passe avant. Thumma at-tawba. Hada, c'est à la qawl quand ils sont cités dans cet ordre. Wa illa, dans certains adillah, c'est pas cité dans cet ordre. Wa al-amr wasi'. Qala wa aydan fal-istighfar min babi izalati dharar wa at-tawbatu talab jalb al-manfa'a. Kadhalik, ils citent cette différence quand ils sont cités les deux. Hana, l'istighfar, c'est pour repousser un mal, et at-tawba, c'est pour avoir, acquérir un profit. قال فالمغفرة أن يقيه شر الذنب والتوبة أن يحصل له بعد هذا الوقاية ما يحبه. Quand on dit أستغفر الله وأتوب إليه, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'éloigne de le mal de ce péché et qui te préserve. Et كذلك, quand tu dis وأتوب إليه, أن الله subhanahu wa ta'ala, كما قال, يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه. كذلك أن الله سبحانه وتعالى يترمبلاس par quelque chose de meilleur. Et ça, ça nous montre que celui qui délaisse un péché, لله عز وجل, et qui fait ce dhikr, astaghfirullah wa atubu ilayhi, avec son cœur et avec sa langue, et yastahdhir, il se rappelle de ce genre de sens, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'éloigne de ce péché, qu'il lui pardonne, et que d'elle, avec son intention, Allah subhanahu wa ta'ala lui remplace par quelque chose de meilleur. Et ça, c'est le haut niveau fil haqiqa, fi an-niyya et fil fahm, dans la compréhension et dans l'intention. قال وكل منهما يستلزم الآخر عند إفراده والله أعلم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. مدارج السالكين, le premier مجلد, le volume numéro 1. ونكتفي بهذا, والحمد لله رب العالمين.